Wow! Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Young Superbound. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo se trouve s'abonner, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez plus nos prochaines vidéos. En cliquant sur Young Superbound, vous aurez accès à notre page d'accueil. Vous verrez également nos trois autres chaînes, abonnez-vous là-bas et activez la cloche aussi à chaque fois, c'est très important. Depuis la disparition de ces stars, nous nous interrogeons vraiment sur ce qui se passe dans l'industrie de la musique. Et ce que nous sommes en train de découvrir, c'est grave. Dans cette vidéo, nous allons entendre un ex-sataniste qui va nous raconter des choses sur ce qui se passe dans l'industrie de la musique que beaucoup de personnes ignorent. Récemment, il y avait un concert quelque part et on a appris que des gens sont décédés. Le concert n'avait pas encore commencé, déjà les gens sont décédés. Pourquoi les gens perdent la vie souvent dans les concerts? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que tout est fait est le fruit du hasard? Vous allez tout de suite comprendre ici que c'est pas tous ceux qui meurent juste parce que ces gens-là sont morts d'une mort naturelle. Il y a des trucs graves qui ont lieu, des sacrifices pour la gloire. Ah! Pour faire sortir un album, quelqu'un doit mourir, on doit sacrifier quelqu'un, le sang doit verser. Pour faire sortir telle chose, c'est ce qu'on doit faire. Même ce qui même se passe dans les clips où on voit les gens chantent pour l'argent, les gens chantent pour l'alcool, on vous demande de boire. Certains vous disent que leur source d'inspiration, c'est l'alcool. Et vous allez voir qu'on va exposer les femmes d'une certaine façon, que ça va vous faire penser au sexe. C'est pas fait au hasard. La musique pour femmes vient pour détruire les valeurs morales et corrompre les âmes. Sauf parce que c'est de la blague. Suivez-nous. Déjà, vous devez savoir que si une personne célèbre, quand une personne célèbre signe un pacte avec le diable, cette personne-là devient automatiquement une personne au service du diable. Et le problème va se situer là où elle va gagner des âmes en utilisant ses musiques. Et tout et n'importe quoi. Bon, suivez-nous. Déjà, vous devez savoir que dans cette vidéo, vous verrez tas de choses qui risquent de vous choquer. Il y aura même des choses qui vont aller au-delà de tout ce que nous sommes en train de vous dire. Ça, c'est juste l'introduction. Si vous avez peur des esprits, des démons, vous n'avez pas en train de parler de ce genre de choses, regardez la vidéo suivante, s'il vous plaît. Allons-y maintenant. Là, nous sommes d'accord. Nous sommes vraiment d'accord. Vous allez voir quelque chose qu'on appelle la face cachée de la musique. Face cachée. Mais qu'est-ce qui est caché? Regardez bien ça. Si vous voulez savoir, la musique, c'est une arme que le diable utilise pour détruire la vie des gens. C'est une arme. Il y a un pouvoir là-dedans. Et le diable est obligé de posséder les stars pour pouvoir les utiliser, les manipuler. Parce que les stars-là, elles-mêmes, pour avoir le succès, elles ont dû vendre les âmes au diable. Et quel serait le résultat? Ça sera le résultat des femmes qu'on expose comme ça. Ça, nous tous ici nous sommes d'accord que Dieu ne peut pas accepter que ses enfants s'habillent de la sorte. C'est pas de la blague. C'est pas une mince affaire. Il faut être honnête. Honnêtement, une fille qui s'habille de la sorte, franchement, elle est en train de même énerver son Dieu. Et comme vous voyez tout ça dans un clip, faites attention, danger. Et c'est même ce qui est à la mode, parce que la plupart du temps, les célébrités disent que c'est ce qui marche. Mais nous allons voir aussi quelque chose. Un ex-sataniste va témoigner de ce qui se passe lors d'un concert qui risque de vous étonner. Parce que la plupart du temps, les gens disent, ah, même si cette star-là a vendu son âme au diable, nous on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est sa musique. Déjà, ce que tu viens de voir. Une femme qui expose sa féminité, ça, bon, on peut dire qu'elle est pratiquement presque nue. Ça vient pour détruire les valeurs morales. C'est ce qu'on appelle corrompre les âmes. Bon, suivez-nous, vous allez comprendre ce qui se passe souvent dans les concerts. Écoutez ça. En plein concert. Quand il y a concert. En akata musique canadienne, que personne ne bouge. Pas les sens, c'est quoi une invocation. Quand même, on a ce massacre, il banque une jambe de chica. Maintenant, que l'esprit s'encaille à tes gars, vous l'attendez. Alors, à un moment donné, il y a un concert, 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 il y a un conc
Tony, pendant les concerts, il arrêtait, tous les instruments étaient arrêtés, et puis il dit que personne ne bouge. Après, à un moment donné, il disait Sakai, il demandait au public de répondre. Et pendant ce temps, ils sont en train d'évoquer cet esprit. Quand l'esprit entre, va envoûter tout le monde, et à la fin, il devait y avoir un mort ou plusieurs. Vous avez entendu ça? C'est un musicien qui fait ça. C'est une star de la musique qui fait ça. Et nous, on ne sait pas, on ignore tout ça. Ah! À un moment donné de sa musique, là, on arrête la musique. À un moment donné du concert, on arrête la musique. Et ce qui se passe, c'est qu'il prononce le nom d'un démon ou d'un esprit. C'est l'esprit là-même qui est son bagbadi, on dit son kappa ou bien sa... C'est de là que nous vient sa force. Mais pour que cet esprit-là ait plus de force, lui, il doit amener les gens, ou encore son public, ses fans, à répéter la même chose. Et quand ses fans répètent ce que lui dit, eux, ils se connectent à son esprit, et son esprit la mettant entre dans la salle. Ce démon-là entre dans la salle. Et ce démon-là, il a besoin de sang. Il a besoin de gagner des âmes. Quand il rentre, il possède les gens. Et il y a des gens qui meurent. Tous ceux qui meurent là, les âmes sont emportées par le démon et sont tenues prisonnières. Voici ce que les gens sont prêts à faire pour avoir du succès. Vous pouvez vous dire que, oh non, c'est une histoire! Non, tu veux nous faire peur! Moi-même, je ne savais pas tout ça. Je découvre ce genre de choses avec vous. Et ce que nous allons maintenant vous montrer là, ça ne date même pas de très longtemps. En plein concert, un rappeur américain a dit des choses qui correspondent aussi un peu à ce que c'était satanique, je viens de dire. Vous allez comprendre facilement maintenant ce qui se passe. Écoutez ça. En plein concert, Laetitia est là, c'est en plein concert. En plein concert, on nous dit, il dit à ses fans qu'ils vont aller en enfer. En plein concert, c'est Star a dit à ses fans que ses fans vont tous aller en enfer. Et regardez ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit est écrit ici, est traduit en français. Nous pouvons lire ensemble. C'est parti. Il dit, laissez-moi vous dire quelque chose vite fait. Avant que vous commenciez à crier, comme je vous ai dit plus tôt, bande de fils de... Bon, vous voyez, je ne peux pas lire ça. Bande de fils... Comment quelqu'un peut-il inciter ses fans comme ça? Ah, écoutez bien. Bande de fils de... Bon, je dis pas. Vous êtes entré là. Et personne ne va s'envoler au paradis ici. Comment peux-tu parler à ses fans de la sorte? Comme si c'était ses ennemis. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Mes frères et sœurs, c'était sataniste l'a dit. À un moment donné, on arrête le concert. Et quand on arrête le concert, on invoque les démons. Et ici, c'est Star va prendre la peine de dire à ses fans où ses fans vont aller s'ils continuent à la suivre. Écoutez ça. Il dit et personne ne va s'envoler au paradis ici. Là, déjà, il est en train d'inquiéter ses fans par ce propos-là, par ce qu'il est en train de dire. Écoutez bien. Il dit, bien évidemment, vous allez tous venir en enfer. Bien évidemment, vous allez tous venir en enfer. Avec moi. Vous entendez ça? Il est en train de dire à ses fans la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'il veut dire. Mes frères et sœurs, ça a tellement fait le tour du monde que les gens ont commencé même à s'inquiéter sur ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il est fou? Il n'est pas fou. Est-ce qu'il avait bu? Il n'avait pas bu. Ses yeux étaient bien ouverts. Et il a commencé à parler ainsi. Maintenant, comparez ce qu'il est en train de dire et ce que nous venons d'entendre précédemment. Quel est ce pouvoir?
Le pouvoir que le diable donne, c'est d'amener les âmes en enfer. Et en contrepartie, le diable donne l'argent, le succès, tout ce que vous voyez. Ça veut dire que les femmes que vous voyez dans les clips que vous voyez qui sont là, ce sont des éléments qu'elles vont utiliser pour vous avoir, pour avoir vos âmes. La bonne musique, les instruments, tout ça, si le Dieu n'est pas adoré dans une musique, c'est que cette musique-là va conduire les âmes en enfer. C'est pourquoi cette personne a dit que vous êtes déjà ici, vous êtes venu ici, ne pensez pas que vous allez vous envoler et aller au paradis. Ça veut dire que qui s'envole pour aller au paradis? Est-ce que c'est ton corps qui va s'envoler pour aller au paradis? Mais bien sûr que non. C'est ton âme. Là, il s'adresse aux âmes. Ce sont les âmes qui intéressent les gens. C'est pourquoi vous avez vu cette boule de feu dans sa main. C'est pour capturer les âmes. C'est pour corrompre les âmes. Et cette personne a dit carrément à ses fans que ses femmes n'iront pas au paradis, mais ses femmes iront en enfer avec elles. Et regardez, il dit ici, avec moi. Mais venez, c'est pas en arrière, vous allez voir ça. Écoutons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose, vite fait. Avant que vous commenciez à crier, comme je vous ai dit plus tôt, bande de fils de... Bon, je dis pas, vous êtes entrés là. Et personne ne va s'envoler au paradis ici. Bien évidemment, vous allez tous venir en enfer. Avec moi. Donc, c'est parti. Oh, vous êtes déjà là. Je suis tellement désolé, vous ne pouvez pas partir. T'es bloqué, c'est fini. T'as écouté ce son 1 million de fois. Et tu ne savais même pas. C'est totalement fou. Mais je vous aime quand même. N'oubliez pas. Vous m'aimez toujours. Tu m'aimes. C'est la raison pour laquelle je vous aime. Vous ne me jugez pas. Je vous aime. Vous avez entendu ça, mes frères et sœurs. Vous avez entendu ça. La plupart des temps, quand c'est ça, la parle ici. Les gens disent, oh, c'est juste pour faire le buzz, c'est de la blague. C'est juste pour faire le buzz. C'est juste pour rigoler. C'est juste pour parler ici, juste pour faire ça. C'est ça, c'est de dire la vérité à son public. Il ne veut pas clairement venir vous parler facilement. Ils ne sont pas nombreux à venir vous parler facilement. Mais lui, il a clairement prévenu ses fans que sa musique envoie les âmes des gens, même de ses fans, en enfer. Et quand vous venez à son concert, ne pensez pas que vous allez aller au paradis. Parce que dès que vous mettez son bon pied dans le lieu, sur le lieu où il y aura le concert, dites-vous en même temps que là, si vous mourrez sur le champ, vous irez directement en enfer. Parce que la musique que cette personne est en train de produire, c'est une musique qui est envoûtée. Il y a une forte présence démoniaque là-dedans. C'est ce qu'on appelle la musique profane. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Vous pouvez même penser que c'est de la blague. Mais c'est ça là, l'a dit. Même hier dans la vidéo précédente, on vous a montré des célébrités qui vous ont parlé du pacte avec le diable. Qu'une star, quand on vous dit qu'une star a vendu son âme au diable, ça veut dire qu'elle a fait un deal avec le diable. Et son deal là vous concerne dans la mesure où ce sera vous, le fan, qui seront menacés. C'est-à-dire que ce sera vous les cibles. Ah! Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que toute personne vivante qui continue à écouter une musique profane, cette personne-là se positionne automatiquement sur le chemin de l'enfer. Ça existe. C'est là, tu es vivant, mais déjà, tu es programmé pour l'enfer. Parce que tu écoutes une musique. Tant que tu continues à écouter cette musique et que tu n'as pas encore fait ta délivrance, le diable aura le même mis sur toi. Parce qu'il se dira que tu as cessé de chez toi. Et tu regardes les filles même qui sont sexy dans les clips, ça te plaît.
même quand tu vois les têtes de mort dans les, sur les vêtements, même les bagues, tout ça, tu ne peux même pas t'imaginer que tu es en présence, tu es dans une présence démoniaque. C'est l'occultisme, c'est ce sont des choses qui vous connectent, qui vous attirent vers les démons. Mes frères et sœurs, c'est réel. Maintenant, toi, tu vas danser n'importe quelle danse, tu vas écouter n'importe quelle musique. Nous avons dit que lorsque vous vous mettez à danser n'importe quelle danse, même les danses qui viennent du monde des esprits, parce qu'il y a effectivement des démons qui inspirent les gens à créer des concepts, les danses. Quand vous dansez de telles danses, vous pouvez même aller jusqu'à vous fracturer, c'est-à-dire vous casser un bras ou vous-même vous briser le cou. Ça existe. Vous allez dire, oh, c'est pas possible. Bon, il n'y a pas de souci. Suivez-nous. Voici où ça commence toujours. Voilà, là, ils sont en train de danser. Comme vous voyez, ils sont en train de danser. Et à un moment donné, ils dansent. Vous voyez, on danse, on tourne le cou, on bouge comme ça. Ça, ce sont les professionnels. Vous allez vous dire qu'ils connaissent, ils savent déjà ce qu'ils font. C'est extraordinaire et tout le monde applaudit. Voilà, tout le monde applaudit parce que ça fait danser. Regardez comment ils sautent. Ils sautent. Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Nous tous, quand on voit, on dit ouh, mais il est fort, il est extraordinaire. Mais vous ne savez vraiment pas d'où vient cette danse. Tout le monde l'acclame. Hein? Tout le monde l'acclame. Sans savoir que là, vous acclamez directement aussi les esprits pour inspirer les gens à créer de tels mouvements. Déjà, quand vous revenez en arrière, les danses traditionnelles, à quoi ça servait? Ça servait à adorer les démons. Les danses traditionnelles aidaient les gens. Ça servait à adorer les esprits. Et c'est exactement ce que les gens sont en train de faire. Vous êtes en train de danser pour honorer les esprits. Parce que Dieu ne se retrouve pas dans de telles danses. Maintenant, vous allez penser que c'est de la blague. Vous allez penser que c'est de la blague. Mais ce que nous allons vous montrer, vraiment, ça va vous couper. Ça ne va pas vous donner même envie de rire. Parce que les gens, en essayant de reproduire les mêmes danses, sont partis. Les gens sont morts. Mes frères et sœurs, si vous savez immédiatement que vous êtes sensible et que vous n'aimez pas voir les choses dures, bizarres, regardez la vidéo suivante, on vous l'a dit. Parce que là, on va de plus en plus haut. Regardez ça. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Regardez ça. Voici un jeune homme qui a été dansé tranquillement. C'était professionnel aussi. Il danse, il saute, il bouge, il fait des trucs et il tombe sur son cou. Revenons en arrière. Il danse. C'est normal. C'est la mode. On a l'habitude de faire ça. On se croit fort. Et il tombe sur son cou. Il est tombé sur son cou. Et il ne se relève plus. Tout le monde pense que ça fait partie du spectacle. Sans savoir que il vient de partir. Et pour les démons, c'est un sacrifice. Et ça continue, les gens continuent à danser. Parce qu'ils ne peuvent pas penser que ça peut arriver, quoi. Les gens ne peuvent pas penser que ça peut aussi arriver. Vous voyez, les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des danses qui viennent des mauvais esprits. Et quand les gens dansent et ils meurent dans cette voie-là, sur cette voie-là, ils vont directement en enfer. Hein. C'est pas que nous sommes en train de vous dire que c'est de la blague. Quel temps est-ce que tu as eu même pour te repentir? Le diable sait que s'il te laisse un peu de temps, tu vas dire « Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés. Oh mon Dieu, pardonne-moi mes péchés. » Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te surprendre là où tu es en train de faire les choses. Et là où tu es en train de faire les choses, c'est dans les concerts. Là même, tu es en train de danser sur un son ou encore tu es en train de danser une danse des démons. Ou même le plus grave, lorsque tu es en action même, sur une prostituée. Là même là, comme tu sais que ce que tu essaies de faire c'est mauvais. Et c'est ce que le diable va amener les gens à faire. Parce que quand les gens regardent les clips et ils voient les femmes nues, ils ne savent pas quoi faire, soit ils vont dans la douche pour se masturber, ou ils vont voir les prostituées, même certains vont plus loin pour violer les femmes. Faites attention, c'est ça l'influence que ça a sur les gens. Et regardez ça encore ici. Voici un homme qui est juste tombé là parce que lui voulait effectuer un truc bizarre. Bon, nous allons vous montrer ça tout de suite.
Vous serez même surpris parce que vous allez voir. Voilà, regardez bien. Ce gars, il est ici sur le podium. Et sur le podium ici, il est en blanc. C'est le gars en blanc, il s'est dansé tranquillement. Qui pouvait même savoir même que ceci arriverait. Regardez bien ça. Il voulait se retourner d'une manière bizarre. On ne comprend pas ce qui ne va pas avec lui. On le relève, il ne se relève pas. Maintenant, vous allez voir encore une autre chose ici. Regardez bien ça. Regardez ça. C'est la danse, hein. On dit c'est la danse, c'est sa danse, regardez. Il danse et il tombe sur son cou. Et il est en train de mourir, hein. Il est en train de mourir. Regardez même ici encore, ce que les jeunes ont l'habitude de le faire. Regardez ça. Regardez bien ça. Voilà. Il va tomber sur son cou. Sur ton de cou. Et il ne pourra plus se relever. Les gens pensent qu'ils sont trop forts, ils sont trop. Ils se disent qu'ils sont puissants, ils sont capables de faire les choses qu'ils ont envie de faire. Même les enfants sont pris au piège, hein, par cette histoire. Boum, sur son cou. Regardez même ici. C'est ça la nouvelle mode. Les gens ne savent pas d'où viennent ces danses et ils se mettent à danser n'importe comment. Ils dansent tout et n'importe quoi. Hein. C'est ce qu'on appelle les démons de la jeunesse sont en train de piloter la jeunesse. Le Seigneur, notre Dieu, nous prévient. Il nous dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce n'est vraiment point en lui. Parce que vraiment, le diable est dans le monde. Et le diable aime se faire adorer. Même en utilisant la musique et tout et n'importe quoi. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Boum! Voilà. Ça peut vous faire rire parce qu'il est tombé. Beaucoup sont en train de même rire. Ah, il est tombé. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui? Regardez ce qu'ils essayent de faire. Regardez ça. Voilà, il tombe sur son cou, sur son dos. Et il est couché, hein. Ça veut dire que c'est entré, quoi. Ça dure, comme on le dit chez nous. Et il est juste là couché. Même pour se relever, il a des problèmes. Voici encore notre fille qui est là en train de danser. Regardez comment il préfère cacher même. Boum, elle se tord le cou. Nous venons en arrière, vous allez voir. On va cacher, voilà. Je ne vais pas vous montrer les trucs tout sexy ici, c'est pas mon but. Regardez, elle est en train de danser comme ça. Et tout à coup, elle va se tordre le cou. Hein. Regardez au niveau de son cou. Elle se tordit le cou. Ah! Regardez, elle s'est même tordu le cou. Hein. Regardez ça. En ralenti, elle va se tordre le cou. Juste là sous nos yeux. Regardez. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, si vous pensez que c'est de la blague, c'est un jeu, vous voulez faire plaisir aux gens. Vous risquez de mourir un jour. Vous risquez de mourir. Nous allons vous montrer encore quelque chose. Mes frères et sœurs, regardez comment ça tordit son cou. C'est grave. Regardez encore ça. Tu veux ça la danse, hein? Ouh! Et regardez comment il est en train de boiter maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette manière de danser? C'est la souffrance ou quoi? Est-ce que c'est forcé? Regardez. Il ne peut plus. Oh Jésus. Ça, on vous l'a montré. Regardez bien. Où est-ce que c'était de faire le tour du monde? Les gens en parlent. C'est bien réel. Vous pouvez même penser que c'est de la blague. Mais c'est réel. Faites attention, mes frères et sœurs. Le diable travaille. Et nous allons encore regarder ça. Écoutez bien ça. Écoutez. Encore ça, vous allez comprendre la vérité. Regardez ça. Il dit, laisse-moi vous dire quelque chose, vite fait. Avant que vous commenciez à crier, hein? Comme je vous ai dit plus tôt, bande de fils de vous être entrés là, et personne ne va s'envoler au paradis ici. Bien évidemment, vous allez tous venir en enfer avec moi. Donc, c'est parti. Oh, vous êtes déjà là. Je suis tellement désolé. T'es bloqué, c'est fini. T'as écouté ce son 1 million de fois. Et tu ne savais même pas.
T'es totalement fou. Mais je vous aime quand même, n'oubliez pas. Mes frères et sœurs, si vous aimez quelqu'un, que serez-vous prêt à faire pour cette personne? Vraiment, mes frères et sœurs, dites-le-moi, répondez-moi. Si vous aimez quelqu'un, que serez-vous vraiment prêt à faire pour cette personne? Souhaiterez-vous voir cette personne mourir et aller en enfer même plus tard? Mais bien sûr que non. Je vous aime tous, mes frères et sœurs. Dieu nous aime tous. Dieu m'a aimé en premier. C'est pourquoi il m'a montré toutes ces choses. Afin que moi aussi, je puisse comprendre ce dans quoi même j'étais. J'étais dans toutes ces choses. Et chaque jour, nous cherchons encore à savoir dans quoi on est. Pour ne pas que le diable ait raison sur nous. C'est ça, elle a dit quoi? Elle a dit que vous irez tous en enfer parce que vous avez écouté mes chansons 1 million de fois. Même plus d'1 million de fois. Mais je vous aime quand même. Amour comme ça, moi je ne suis pas dedans. Dieu t'acabaque à côté, amour comme ça, moi je ne suis pas dedans. Ça veut dire que les gens vont faire des pattes avec le diable pour avoir du succès. Et le succès là, déjà là-bas on l'a dit que vous avez fait un pacte avec le diable. Donc déjà vous savez que vous n'allez pas aller au paradis. Ils disent oui. Est-ce que tu sais que tu n'as pas allé au paradis? Ils disent oui. Voilà. Là ils sont d'accord avec ça. Et le diable a dit, bon, comme tu sais que tu n'as pas le paradis, ce que tu vas faire, c'est que il faut amener tous tes fans à te suivre aussi avec nous en enfer. Et c'est là que cette personne va se mettre à faire des choses bizarres. Elle peut créer par exemple une danse. Une danse qui parle de faire l'amour, faire coucher avec une femme. Et puis elle a dit, voici comment cette danse ça se danse. Cette danse, c'est comme ça. Regardez bien. Et elle fait la démonstration de cette danse-là sur scène. Et vous êtes tenté de regarder. Ouh, c'est une nouvelle danse. Ça va tuer, ça va tuer. Nous, on vous regarde comme ça. Et à un moment donné, quand cette star-là vient de danser, et c'est ça, elle a dit, ok, que tout le monde, que vous ici, tous ici, mes fans, que vous tous dansez cette danse-là. Que tous vous dansez cette danse-là. Il faut voir aussi les fans. Chacun fait sa démo. Ah, voici comment ça se danse. Ça se danse comme ça, c'est une nouvelle danse. C'est la danse de la rentrée. On va bien danser, on va bien s'amuser. Ah, ça là même là, quand tu finis, j'ai fini de danser. Quand j'ai fini de danser ça là, ah, moi-même là même là, ça me donne même envie de coucher avec une femme. Il y a des gens qui parlent comme ça. Même quand une star vient de faire sortir un clip. Et que dans ce clip là, il montre une femme qui a des seins, qui a des fesses, les gens sont en train de parler. Oh, la femme aussi, elle est jolie, il a pris où? Et les gens commencent à faire des vidéos. Ah, ma star, vraiment, tu es vraiment forte. Ils vont même plus loin. Ah, mon idole, vraiment, tu as joué rôle même. La fille, là, vraiment, elle est jolie. Mais dis-moi, où tu as pris son... Où tu l'as pris? Tu l'as pris même. Je veux. Est-ce que tu peux me donner son numéro même? Si tu peux me donner son numéro, ce serait bien. Parce que ça me donne envie de faire les choses, quoi. Surtout, elle a quand même laissé une fois, une seule fois. Tu es dans les problèmes. Si tu parles ici, tu es dans les problèmes. Si c'est ce que j'ai dit, tu es dans les problèmes. Le gars même t'a déjà eu même il y a longtemps. Ça veut dire que le simple fait d'écouter une musique qui est une musique profane. C'est dans les problèmes. Parce que vous devez comprendre qu'il y a vraiment une différence entre une musique profane et une musique sacrée. Une musique sacrée, là, nous on sait que tout ce qui est sacré, c'est ce qui honore Dieu, non? Oui! Ça honore Dieu, oui! Mais la musique profane fait le contraire. C'est une musique où on va amener les gens à être orgueilleux, à être arrogants. Ce n'est pas pour rigoler, ce n'est pas pour faire le buzz. Quand une personne le tient, et qu'elle vous se met à insulter les femmes. Ou bien si toi, un de tes amis vient, et se met à te dire, ah mon ami, tu as beaucoup d'argent. Hein? Tu as dit, ah il y a beaucoup d'argent, je suis riche, tu vas nous faire sortir tes dents pourries. Mais quand cette personne va te dire, ah mon ami, tu as beaucoup d'argent, mais tu es vilain.
Tu as parié. Tu as même parié. Tu as même t'énervé. Tu as dit, donc tu es venu ici pour m'insulter. Tu as dit, mais non, c'est juste pour rigoler. Tu me dis, c'est juste pour blaguer. Tu as dit, mais tu m'as insulté quand même. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne pensez pas que les gens qui sont devant vous en train de chanter là, sont là pour rigoler avec vous. Parfois, il y a certaines stars. Tellement elles ont fait ça, elles ont corrompu plein d'âmes, elles-mêmes, elles regrettent. Elles veulent sortir de là parce que ça fait mal de même voir des gens qui t'aiment aller en enfer. Tu sais que ces gens-là vont aller en enfer, tu sais, à cause même des choses qui sont là, que tu fais. Même à cause de l'esprit de mort que tu envoies sur eux. Regardez bien, vous allez voir de vous-même, il y a des signes qui sont là. Les têtes de mort que vous voyez dans les clips, ce n'est pas pour rien. Les bagues, grosses bagues, vous voyez souvent sur les stars, ce n'est pas pour rien. Les grosses choses, tout ça, ce n'est pas pour rien. Tout est calculé. Faites attention. Si vous voyez que cette star-là chante, et vous voyez qu'elle, à un moment donné, elle a changé de nom, et qu'elle a pris un nouveau nom, c'est ça, elle a pris un nouveau nom, et elle dit, elle s'appelle comme ça. Et elle a fait une chanson, et dans cette chanson-là, on chante pour le nouveau nom de la star, puisque c'est comme ça que cette star s'appelle. Et si vous, vous vous mettez à chanter en utilisant le nouveau nom de cette star, puisque elle a mis dans cette chanson, automatiquement, vous allez appeler l'esprit ou encore le démon qui est derrière le nom de, le nouveau nom de cette star. Et ce démon-là va vous visiter. Là même, vous venez dire bonjour, tu m'as appelé, pourquoi m'as-tu appelé? C'est là l'envoûtement commence. Et vous augmentez le pouvoir de cette star. Parce que vous serez tous envoûtés. C'est comme ça l'envoûtement commence. Ça a l'air simple, non? Mais c'est très efficace. Le savez-vous? Moi, mais je ne savais pas. Mais ce que nous venons d'entendre là, c'est clair. Ce que cette star avait de nous dire là, c'est clair. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Mais ceux qui sont morts, ils savent vraiment que ce n'est pas de la blague. Les démons de l'enfer sont en train de dire, ils sont en train de dire, vous êtes là sur la terre en train de vous amuser, coucher avec les femmes n'importe comment. On vous parle du Seigneur de Christ, vous ne croyez pas, vous ne voulez pas chercher Dieu, vous ne voulez pas vous sanctifier. D'accord. C'est parce que vous êtes vivant sur la terre ici que vous ne croyez pas. Mais quand vous êtes venu en enfer ici, vous allez croire, vous allez vraiment croire, c'est ici que vous allez croire. Parce qu'en enfer là-bas, ce sont les démons qui sont là-bas. C'est le feu et les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Et on vous dit pourquoi vous êtes là. À cause de la musique, beaucoup d'âmes vont en enfer. Nous voulons vous sauver. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous ce que vous en pensez. C'est parti.